Alors, il y a quelques jours, j'ai vu un post sur Facebook, sur la page d'une compagnie aérienne, quelqu'un qui disait « Comment ça, il y a plus de 50 sièges de disponibles sur le vol qui part après-demain et vous les vendez tous à un prix exorbitant. » Ben, c'est parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu regardes, monsieur. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'attribution des sièges à bord. Bienvenue. Allô YouTube, mon nom est Victor, je souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard. Je suis chef de cabine et toutes les semaines, on se retrouve pour parler un petit peu de la vie dans les compagnies aériennes, mais aussi un petit peu comment rendre votre voyage plus confortable, plus intéressant, mieux comprendre tout ce qui se passe dans le milieu du transport aérien et des avions. Une fois de plus, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a plus grand chose de gratuit de nos jours. Ça ne vous oblige pas à regarder aucune vidéo, mais simplement lorsque vous irez sur YouTube la prochaine fois, vous verrez dans votre fil d'actualité, vous saurez un petit peu de quoi je parle, puisqu'il y a une vidéo qui est postée chaque semaine. Pour le faire, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste ici. Alors ce monsieur qui avait décidé de chialer auprès de la compagnie aérienne, en fait, il ne regardait pas la bonne chose. Parce que certaines compagnies vous proposent de voir le plan de cabine lors de l'achat du billet, vous allez voir tous les sièges qui sont disponibles pour la sélection. Ça ne veut pas dire que ce sont des sièges qui ne sont pas vendus. Et je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui achètent un billet d'avion, mais qui ne sélectionnent pas leur siège au moment de l'achat. Et bien souvent parce que les compagnies maintenant vous font payer pour ce genre de choses, ça devient gratuit 24 heures avant le départ. 48 heures, certaines compagnies vous permettent de le faire un petit peu plus tôt, mais en fait c'est gratuit au moment où l'enregistrement est ouvert. Mais avant ça, vous devez payer un frais supplémentaire. Donc il y a beaucoup de gens qui disent on va attendre et on va s'enregistrer plus tôt et donc choisir nos sièges à ce moment-là. Donc ce monsieur qui regardait le plan de cabine lorsque l'enregistrement n'était pas encore commencé, voyait tous ces sièges de disponibles, mais ils sont disponibles à la sélection, mais ils ont déjà été vendus. Même si la sélection de sièges peut être gratuite parfois lors de l'achat du billet, tous les passagers n'y ont pas accès. C'est le cas par exemple des groupes. Demain, je pars sur Tokyo. En général, sur cette route-là, j'ai au moins un tiers des passagers qui sont des jeunes étudiants, des groupes scolaires qui vont à l'étranger pendant une à deux semaines visiter, faire du tourisme ou faire du sport parfois pour des compétitions sportives. Vous avez des groupes qui sont des croisiéristes, vous avez des groupes de médecins, des gens qui vont dans des conventions, etc. Donc vous avez tout type de groupes et en général, les groupes sont enregistrés ensemble juste le jour du départ parce que sinon ils prendraient une énorme sélection de sièges dans la cabine, donc on va essayer de les mettre ensemble dans une certaine zone, mais on ne peut pas leur garantir les sièges à l'avance. Et donc si je regarde l'état de mon vol aujourd'hui pour demain, si je voulais prétendre que j'achetais un billet, je verrais au moins un tiers des sièges qui apparaîtraient comme disponibles alors qu'en fait ils ne le sont pas. Vous avez aussi des passagers qui achètent leur billet sur un vol en partage de cote, ce qu'on appelle un co-chair. Alors, je m'explique. Par exemple, vous voyagez entre Munich et Montréal, le vol est assuré par Lufthansa, mais vous êtes canadien et vous achetez votre billet sur le site d'Air Canada. Et il n'y a pas de problème, Air Canada va vous le vendre. Ils ont un certain nombre de sièges dans l'appareil de Lufthansa qu'ils ont le droit de vendre, imaginons qu'ils en aient 25, mais Lufthansa va pas donner accès à l'ensemble de la cabine pour la sélection de sièges. Donc ils ont 25 sièges vendus, mais Lufthansa va peut-être laisser à peu près 10 sièges en présélection. On va leur donner deux ou trois rangées, puis ça va s'arrêter là. Tous les autres passagers vont devoir sélectionner leur siège au moment de l'enregistrement à l'aéroport auprès de Lufthansa. Ils ne verront pas sur l'application et le site web d'Air Canada. Et donc, ça fait encore des gens qui n'ont pas pu choisir leur siège, mais qui font partie du vol. Quand l'enregistrement commence, le vol est donné à ce qu'on appelle un contrôleur. Donc le contrôleur, c'est quelqu'un en général basé à l'aéroport, dans le groupe des opérations, et il va s'assurer à ce que le vol soit maximisé et se passe bien. Ça veut dire qu'il va être la personne en liaison avec le traiteur pour commander le nombre de repas spéciaux, il va être en liaison avec les services d'assistance aéroportuaire pour commander les chaises roulantes, etc. Et c'est lui qui va aussi gérer les surclassements de dernière minute. Enfin, un contrôleur a beaucoup de choses à faire pour vérifier le vol, commander la quantité d'eau qui va être requise sur ce vol, d'eau potable, parce que si le vol n'est pas plein, est-ce que ça vaut la peine de transporter, de payer une fortune en carburant pour transporter des litres et des litres d'eau qui ne seront jamais utilisées. Donc il y a pas mal de choses à faire pour un contrôleur. Une des choses que fait le contrôleur, c'est aussi vérifier les passagers qui arrivent d'un autre vol en correspondance et qui peuvent avoir une correspondance un petit peu courte. Alors, autre exemple, par exemple, vous faites Ottawa, Toronto, Toronto, Vancouver. Et le jour de votre départ, vous avez une énorme tempête de neige à Ottawa et beaucoup de vols sont retardés. Et donc, il sait qu'il y a peut-être sur le prochain vol de Toronto 15 passagers qui devaient arriver d'Ottawa, mais il y a des grandes chances pour qu'ils manquent leur correspondance. Et donc, le contrôleur va aller bloquer peut-être, s'il le peut, 15 sièges sur le vol suivant, donc pour protéger ces passagers auxquels ils auraient manqué leur vol, quitte à surbooker. C'est aussi une autre chose qui peut arriver, les compagnies vont souvent continuer à vendre des billets jusqu'à la dernière minute, quitte à
surbooker et vendre plus de billets qu'il n'y a de sièges disponibles. Parce qu'ils savent que pour chaque vol, il y a un certain pourcentage, dépendamment de la saison, dépendamment de l'heure, dépendamment de plein de choses, et un certain pourcentage de passagers qui ne vont pas prendre le vol. Simplement parce qu'ils ont manqué leur correspondance, parce que les plans ont changé, parce que ces passagers ne n'annulent pas, parce qu'ils ont un billet qui est non remboursable, donc ils ne voient pas l'intérêt de prévenir la compagnie et d'annuler, etc. Et donc, on fait du surbooking. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, je vais vous mettre le lien quelque part, c'est par ici. C'est une pratique assez courante. Et donc, parfois, ils vont faire du surbooking. Mon vol de demain, j'ai une capacité de 302 sièges dans l'avion. Aujourd'hui, j'ai regardé il y a 5 minutes avant de filmer, j'ai vendu 315 sièges. Donc, on va avoir à peu près quelques passagers qui risquent de se retrouver sur le carreau. Mais on sait que beaucoup de passagers, normalement, devraient ne pas se présenter pour X ou Y raison. Et si jamais on a 307 passagers qui arrivent à la porte, c'est les agents d'enregistrement ou d'embarquement qui vont leur annoncer la bonne nouvelle. Mais la compagnie, même si elle va devoir leur payer la nuit d'hôtel, etc., la compagnie a sûrement revendu à la dernière minute des billets plein tarif, très très cher, parce que c'est des billets de dernière minute. Et donc dans ce cas-là, la marge qu'elle aura fait sur ces billets-là vont payer les frais qu'ils auront à rembourser pour ces autres passagers. Le contrôleur va aussi bloquer certains sièges qu'on pourrait utiliser qu'à l'aéroport. Par exemple, les rangées où il y a un berceau, parce qu'il peut y avoir une famille qui arrive à la dernière minute. On n'a pas vendu le berceau, mais on veut essayer de donner le berceau pour un bébé. Donc il y a certains sièges qui peuvent être bloqués. Également, vous avez aussi ce qu'on appelle des passagers qui sont en pré ou post-acheminement. On appelle ça en anglais le deadheading. C'est lorsque on voyage en tant que passager avant d'opérer un vol ou après avoir opéré un vol pour rentrer à la maison. Demain, je pars sur Tokyo. Normalement, on a 2 vols quotidiens vers Tokyo, mais à partir de cette semaine, on passe seulement à 10 vols hebdomadaires. Et donc, il y a un équipage qui part demain matin, mais qui n'a pas de vol pour rentrer. Et donc, ils vont revenir avec moi, mais en tant que passager. Et donc, ils sont réservés sur le vol. On leur a simplement pas encore attribué de place, donc ils n'ont pas encore été sélectionnés dans ce plan de cabine disponible. Mais on va leur donner les derniers sièges de disponibles. Donc, bien souvent, malheureusement, ça peut être le siège du milieu. Mais s'il y a des sièges de disponibles en classe affaires, ça va être les derniers à être surclassés. On va essayer de leur donner, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, ne vous fiez pas au plan de cabine de la compagnie aérienne. Les compagnies gardent secret le nombre de sièges qu'il y a de disponibles à la vente. En général, il n'y a que les employés de la compagnie aérienne qui ont accès à cette information. Même les agents de voyage ne le voient pas. Un agent de voyage va avoir une petite indication. En général, en classe affaires, on va leur dire 4. Ça peut être 4, ça peut être 5, 6, 7, mais on ne va jamais mettre plus que 4. En classe économie, on va mettre 9. Ça peut être 9 ou plus, mais si on met 8, 7, 6, en général, c'est que là, ça commence à être plein. Mais pareil, l'agent de voyage ne sait pas s'il y a du surbooking, donc peut-être qu'on va mettre qu'à 9 sièges de disponibles, mais en fait, le vol est déjà plein. Alors, il est toujours important de choisir son siège. Je vous conseille de le faire au moment de la réservation si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas, attendez que l'enregistrement commence et faites-le immédiatement. Beaucoup de compagnies maintenant vous proposent une application pour pouvoir le faire sur votre téléphone ou sur leur site internet. Tous les sièges ne sont pas pareils. Parfois, vous allez voir sur le site de la compagnie aérienne qu'il y a un siège qui est le premier rang de la rangée économie. Vous dites chouette, il y aura plus de place pour les jambes. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un mur et donc vous avez en fait moins d'espace pour les jambes. Alors, comment le savoir? Regardez d'abord quel est le type d'appareil sur lequel vous allez voler. Je prends l'exemple d'Air Canada, l'Airbus 330, ils en ont plusieurs, mais ils ont au moins 3, si je ne me trompe pas, au moins 3 configurations. Ça veut dire que l'appareil en lui-même est exactement le même, mais à l'intérieur, on va avoir des classes à faire plus ou moins grandes. Parfois, on a une classe premium économie et une classe économie plus ou moins grande. Alors, sur le site internet de votre compagnie transporteur, regardez exactement le plan de cabine et regardez bien, notez la rangée de la classe à faire commence la rangée 1 à la rangée 6. Après, la classe économique range de la rangée 12 et va jusqu'à la rangée 56. Ensuite, allez sur un autre site qui va vous donner des conseils. Le plus connu s'appelle SiteGuru. Vous allez sur le site de SiteGuru et vous allez voir Air Canada. Vous choisissez l'Airbus 330 et vous allez voir qu'il y a différentes versions. Je vous passe à travers les différentes versions jusqu'à ce que vous trouviez la version qui a exactement les mêmes numéros de rangée que ce que vous avez vu sur le site ou l'application d'Air Canada. Ensuite, déplacez votre souris et vous allez voir un petit peu les conseils qui vont vous dire attention, c'est un bon siège, mais vous êtes près des toilettes, donc il peut y avoir plus de bruit ou plus de trafic, etc. Une chose importante à savoir, c'est que SiteGuru, c'est des informations données par les passagers. Donc, ce n'est pas forcément représentatif. Un exemple, je travaillais sur le Boeing 767, un plus vieil appareil, et derrière la classe affaires, derrière la dernière rangée, on avait un endroit pour ranger des petites tablettes qui sont roulantes, qui nous servent pour faire le service en cabine. On s'entend, ça prend une minute après l'écollage pour les sortir et on les range une minute avant l'atterrissage. S'il y a des turbulences, quand on les sort ou qu'on les range, ça peut faire un petit peu de bruit, mais ce n'est pas pendant tout le vol, ce n'est pas en plein milieu de la nuit, ça va arriver une minute après l'écollage, une fois plus, et une minute avant l'atterrissage. Et je me souviens avoir vu un commentaire d'un passager qui disait « Oui, l'équipage range les équipements ici et ça fait beaucoup de bruit. »
c'est quelqu'un qui a peut-être été dérangé une fois et c'est pas représentatif de tout le monde. Donc une fois de plus, il y en a à prendre et à laisser, mais ça vous donne une bonne indication. Sitguru va vous donner l'espace du siège, l'espace entre deux sièges, le taux d'inclinaison, etc. Ça peut vraiment vous aider à avoir un vol un petit peu plus confortable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de filmer à l'extérieur aujourd'hui, il fait beau, c'est la fin de la journée, donc commence à faire sombre. Il y a une chute d'eau pas très loin de moi, donc j'espère que ça n'a pas été trop gênant au niveau du bruit, j'essaie de parler fort. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous avez aimé ce contenu, mettez un pouce vers le haut. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez la partager avec un ou une amie qui voyage peut-être bientôt et ça pourrait aider à avoir un meilleur siège et donc avoir un meilleur voyage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !